On voit que la FAE est réunie aujourd'hui. Vous avez eu la possibilité de suspendre la grève, de la poursuivre, évidemment, ou peut-être de demander la nomination d'un conciliateur. Est-ce que vous évaluez certaines possibilités avec votre gouvernement pour qu'il y ait du rattrapage à l'école, par exemple, pour les enfants, ou qu'on reprenne ces cours-là? Est-ce que c'est dans vos priorités cartons en ce moment? Bien, écoutez, évidemment, avant de dire comment se fera le rattrapage, il faut voir combien de temps va durer la grève. Moi, je le dis, là, puis je le répète, je souhaite qu'on conclue des ententes le plus vite possible. Je trouve que ça va bien avec les enseignants. Avec les infirmières, puis la FIC, c'est plus compliqué. Et, bien, écoutez, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens que... un syndicat puisse bloquer, par exemple, une prime qu'on veut donner à une infirmière de nuit parce qu'il nous en manque de nuit, ou une prime qu'on veut donner à une infirmière qui accepte d'aller travailler dans une région où il manque beaucoup d'infirmières. Ça n'a pas de bon sens que la FIC dise « Moi, je veux continuer d'être capable de bloquer cette flexibilité. » On n'arrivera jamais améliorer les services en santé si on n'a pas de la flexibilité de la part du syndicat de la FIC. Est-ce qu'on est prêt d'une entente avec la FIC? Attention.